Bonjour, ici donc Ludovic Bréhan, mais je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une interview de mon ami Maurice Sommet qui vient du Burkina Faso. Maurice nous fait le plaisir de passer quelques jours avec nous. On connaît Maurice depuis, enfin je connais Maurice avec Valérie depuis pratiquement 20 ans. C'est ça. Donc on a fait. Alors Maurice, je vais vous le présenter en quelques mots. C'est quelqu'un qui est d'une générosité incroyable, quelqu'un qui est plein d'humanité, qui aide énormément, qui est dans l'humanitaire, qui fait également partie d'une ONG actuellement. Et à côté de l'ONG, donc il fait d'autres missions, toujours pour aider les enfants, entre autres. Et pour moi, vraiment, c'est un modèle de bonté, de générosité, de don de soi, ce qui est vraiment rare. Et c'est la raison pour laquelle je voulais interroger Maurice. C'est quels sont tes ressorts, en fait, Maurice? Pourquoi est-ce que tu aides comme ça depuis que tu es jeune, je pense? Qu'est-ce qui t'anime au fond de toi? Et tu es également un entrepreneur, tu as toujours tout un tas de projets, de créations. Tu as créé une ferme école auquel notre fondation d'entreprise donc a participé. Après, tu as créé un orphelinat. Enfin, voilà, tu es tout le temps en perpétuelle création et mouvement. Donc moi, j'aimerais en fait, pour aider les personnes également qui nous écoutent, c'est regarder les ressorts. Voilà, quels sont les ressorts qui t'animent, Maurice? Et merci d'avoir Ludovic de me recevoir. C'est tout un plaisir pour moi d'être là et de passer quelques jours avec vous, avec Valérie. Effectivement, on se connaît bientôt, il y a à peu près une vingtaine d'années déjà. Et je pense qu'on a fait énormément de choses de parcours ensemble. Et pour moi, c'est très important de le signaler. Alors, qu'est-ce qui m'anime? Moi, je reste fondamentalement convaincu que et on trouve nos ressources en étant en contact avec les autres. Et j'ai fini par comprendre que lorsqu'on se met dans une dynamique d'accompagner et d'aider les autres toujours, on se ressource. Et cette façon de se ressource nous aide toujours à aller dans cette dynamique-là. Et moi, je finis par me rendre compte que je ne dirais pas que ma raison d'être, c'est d'être à côté des autres, mais je suis convaincu que j'existe en étant aux côtés des autres, et c'est ça qui me fortifie, et chaque pas que je fais avec les autres m'aide aussi à avancer. Donc, ce que tu nous expliques, c'est que tu as trouvé ta raison d'être, et puis c'est vrai qu'elle est différente pour chacun d'entre nous. Et comment tu as fait? Ça s'est fait naturellement? En fait, c'est parce que tu étais bien comme ça et tu t'es dit, bah, c'est ma raison d'être ou... Oui, c'est venu, je pense que c'est devenu un peu de façon naturelle, parce que j'ai dû à un moment donné, interrompre mes études universitaires pour aller à l'école sociale pour une formation dans ce domaine-là. Et j'ai travaillé longtemps avec les enfants de la rue et je dis toujours que c'est en étant avec ces enfants que j'ai appris à connaître l'homme. Et parce que dans l'accompagnement avec ces enfants, moi j'ai découvert fondamentalement que c'est dans l'aide aux autres qu'on existe. Donc Maurice, tu as trouvé donc ta raison d'être, c'est ce que tu nous expliques. Tu es bien quand tu accompagnes ces jeunes, entre autres les jeunes. Tu as aidé les jeunes dans les rues pendant un certain temps. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est là qu'on voit qu'on peut vraiment donner du sens à sa vie, c'est quand tu m'expliquais avant-hier qu'il y a des personnes que tu croises aujourd'hui dans les administrations ou à droite à gauche, que tu as vraiment sorti de la difficulté, peut-être sorti de la rue, et qui te disent merci tonton, je crois que tu t'appelles tonton, et merci tonton pour ce que tu as fait, sans toi j'en serais pas là, tu as changé ma vie, c'est des choses comme ça. Oui, et c'est là que tu réalises que tu as été utile à quelque chose. Qu'un jeune que tu as accompagné, qui était dans des difficultés et qui fait ce témoignage en disant, Madame, il faut les remercier de ma part parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à eux, c'est grâce à lui. Et je pense que c'est ça aussi qui nous donne toujours ce courage de continuer à aider d'autres personnes. Et là, on sait que l'action qu'on a posée a été une action utile. Et ça permet à ce jeune aujourd'hui de regarder l'avenir avec confiance. Et lui aussi, il peut se ressourcer dans ce que nous lui avons apporté pour aider d'autres personnes. Et c'est ça qui fait la beauté du monde, je pense.
Et donc tu as créé des associations sur place au Burkina. Tu peux nous en parler un petit peu des actions que tu as faites, que ce soit la ferme école ou l'orphelinat, en quelques mots? Oui, avec des amis, d'abord à travers le travail dans la rue, nous avons finalement mis en place une association qu'on a dénommée Association Un Enfant, Une École, qui s'est beaucoup intéressée déjà d'abord dans le volet scolarisation. Ensuite, nous avons pensé à aller un peu plus sur les questions de formation professionnelle et en constater que les longues études ne portent pas toujours, n'aboutissent pas toujours à ce que l'on souhaite. On a dit il faut d'abord trouver son chemin. Et lorsque l'on est d'une famille qui n'a pas assez de ressources pour nous accompagner, c'est toujours mieux d'entreprendre quelque chose, de commencer à faire quelque chose. Et par la suite, si on a envie de développer dans le domaine des études, on peut y aller. Alors nous avons dit, cherchons d'abord la voie de la formation, cherchons d'abord la voie de l'apprentissage. Et si on peut construire sa vie, on peut par la suite construire des études. Alors, c'était pas dire, l'idée n'était pas de dire arrêtez les études, mais contenez-vous de vos réalités, de vos difficultés, apprenez à faire quelque chose déjà, et à partir de là, vous pouvez vous rebondir pour pouvoir poursuivre vos études. Et là, on a accompagné des jeunes qui étaient dans différents domaines d'apprentissage professionnel, technique. Et bien sûr, on a continué aussi avec certains qui étaient dans le volet de la scolarisation. Et je me réjouis aujourd'hui de constater que parmi ces jeunes, on a des infirmiers, on a des enseignants, on a des gens qui ont fait l'ingénierie dans le domaine, comment on appelle ça, de l'élevage. Et on a des statisticiens. Et tout ça, je pense que c'est quelque chose qui a tout son sens pour nous. Maintenant, il y a d'autres aussi qui se sont exercés dans le domaine de la couture, de la mécanique. Et je pense qu'avec recul, on peut se dire que on a pu apporter et changer un peu la vie et l'avenir pour ces enfants. Maintenant, et ceci dit, il ne faut pas croire que tout s'est passé sans difficulté. Voilà, il y a eu pas mal de difficultés. Il y a eu parfois des moments de découragement où vous accompagnez un jeune et après vous constatez qu'il ne va pas dans le sens que vous souhaitez. Et là, on a tendance à se décourager. Mais je finis par me convaincre que au moment où vous estimez qu'il faut lâcher le jeune, c'est peut-être ce moment où il a décidé de changer. Et c'est pourquoi il faut toujours repartir, accompagner, être patient. Et dans tout projet aussi, il faut être patient. Parce que généralement, quand on croit à un projet, on a tendance à aller très vite. Mais on oublie souvent que dans le développement de ce projet, on peut rencontrer des difficultés. Et là, il faut être vraiment conscient de cela et se dire que projet se conjugue aussi avec difficulté. Et lorsqu'il y a des difficultés, il y a forcément des solutions. Et je pense que c'est cela qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on est bloqué, de ne pas dire c'est la fin, mais comment je peux faire pour passer cette difficulté-là? Parce qu'il n'y a pas que des difficultés, il y a aussi des solutions, je pense. C'est bien, tu nous parles en fait de lâcher prise, tu nous parles de patience, tu nous parles en effet de surmonter les obstacles, et ça c'est vrai que l'entrepreneur en permanence il a des obstacles à surmonter. Et ce que tu nous dis également c'est intéressant parce que c'est pas parce qu'on est dans son projet de vie, sur son chemin de vie, c'est pas parce qu'on se réalise qu'il n'y a pas de difficultés. Ouais, il y a des difficultés, mais on les surmonte plus Oui, facilement c'est parce ça. qu'on est bien dans ce qu'on fait C'est ça. et on sait qu'on va y arriver. Oui. J'en suis convaincu. Je pense que souvent, on pense que lorsqu'on veut commencer des projets, on pense que tout va aller aussi vite qu'on le souhaite. Mais la construction d'un projet ne dépend pas seulement de nous. Ça dépend d'un ensemble d'environnements et d'ensemble d'éléments dans l'environnement qu'il faut apprendre à connaître et à avancer pas à pas. Et lorsqu'on inscrit cela dans sa dynamique, je pense que lorsqu'on est face à des difficultés aussi, on a déjà un début de solution parce que là, on était plus ou moins préparé à cela. Alors, c'est d'autant plus extraordinaire ce que tu nous dis, c'est que donc Maurice vit au Burkina Faso. Donc, moi j'ai connu le Burkina Faso il y a une quinzaine d'années,
où c'était un pays qui était sûr. Et depuis 10 ans, en fait, les choses ont évolué, peut-être même plutôt depuis 5 ans, plutôt négativement parce que la vie est très difficile là-bas. Donc il y a des attentats donc en permanence. Daesh donc qui est sur toute une ceinture en fait du Burkina Faso. Donc c'est un pays qui connaît des difficultés aujourd'hui. Et malgré ça, alors il faut savoir également que le salaire bas, tu me dis, enfin, l'équivalent du SMIC en France, c'est dans les 70 euros, j'ai calculé, 70-75 euros. Le salaire d'un cadre moyen, l'équivalent d'un cadre moyen en France, ce serait à peu près 400 euros, 450 euros. Donc tout ça c'est peu. Donc voyager par exemple, c'est la première fois que tu viens avec ta famille, avec ton fils qui a 8 ans aujourd'hui, c'est la première fois que tu viens parce que évidemment c'est très onéreux pour un Burkinabé, même si toi tu as voyagé à titre professionnel. Donc c'est remarquable, je dirais que malgré les difficultés du pays, eh bien tu continues à avancer sur ton chemin, tu continues à aider, tu penses en permanence aux autres. Moi, comme je le disais, moi, je reste convaincu que la vie, ce n'est pas que des difficultés, la vie, c'est aussi des solutions et il faut y croire. Et lorsque l'on est véritablement engagé, on sait où est-ce qu'on veut aller et qu'on a pris conscience que ces difficultés, on peut les transcender et on se bat en conséquence. Pour la situation du Burkina Faso aujourd'hui, on est confronté à cette question d'insécurité qui malheureusement contribue sur le plan économique à désaxer pas mal de choses. Mais nous disons qu'il faut rester debout. Malgré tout cela, il faut continuer à vivre et il faut se battre. Et nous restons convaincus que nous allons arriver tôt ou tard à faire face à cette situation et le Burkina restera toujours debout. Ça, nous en sommes convaincus. Et c'est pour dire aussi que sur le plan économique, pour l'instant, les aspects liés, par exemple, au tourisme, le Burkina est devenu une destination pas très enviable pour certains pays, mais nous disons que c'est des situations transitoires. On restera toujours debout et le Burkina va se battre dans ce sens-là. C'est pareil pour la construction des projets, comme je le disais. Si l'on n'est pas vraiment convaincu et engagé, on abandonne vite les projets à la première difficulté. Mais lorsqu'on sait qu'on doit rester debout et avancer, et quelles que soient les difficultés que l'on rencontrera, on essaiera toujours de trouver la solution. Et il faut aussi compter avec les autres. Je dis, il faut compter avec les autres. On ne vit pas dans un environnement où on est seul. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide quand c'est possible. Et d'avoir des personnes de ressources qui peuvent vous accompagner, il faut aller dans ce sens-là aussi, parce qu'un projet, c'est un ensemble d'éléments. Il y a soi-même, mais il y a les autres, il y a l'environnement, et il faut en tenir compte. Complètement. Et c'est une belle leçon de vie aussi que tu nous apportes parce que en France, il y a beaucoup de personnes, puis j'en ai fait partie aussi, qui se plaignent un peu du système, qui se plaignent que c'est pas toujours facile d'entreprendre, qu'il y a des lourdeurs, etc. Mais quand on échange avec toi, Maurice, quand on échange avec ta femme, quand on échange avec ton fils, la joie de vivre que vous avez quand vous êtes en France, bon, on a été se baigner avec Naël, donc le fils de Maurice, qui voyait pour la première fois la mer, qui mettait les premières fois les pieds dans l'eau, dans l'eau de mer. Et sa joie de vivre, c'était incroyable. Et vous nous dites, oh, qu'est-ce que c'est propre chez vous, qu'est-ce que c'est beau, quelque part, voilà, on oublie, nous, entrepreneurs français, on oublie la chance qu'on a en fait de vivre dans un pays comme ça où il y a, alors oui, il y a aussi, on connaît aussi les attentats, on connaît aussi des difficultés par rapport à ça, mais bon, je pense que c'est pas à la même échelle que chez vous, si c'est quotidien, même si on n'en parle pas dans les médias, c'est pratiquement quotidien. Donc vraiment, on a beaucoup de chance, nous, entrepreneurs français, d'être dans ce contexte. Pour des personnes qui en doutent, moi, je les invite vraiment à aller peut-être au Burkina ou dans d'autres pays d'Afrique. On a emmené, dans le cadre de notre fondation L'Entreprise, on a emmené donc plusieurs fois des collaborateurs à nous voir le Burkina, qui découvraient. Donc, et à chaque fois, c'était un émerveillement. Et quand il fallait quitter nos amis burkinabés, reprendre l'avion, c'était des pleurs à chaque fois. C'était émouvant, quoi. Parce qu'il y a une telle...
comment dire, il y a une telle joie de vivre, solidarité, entraide, tellement d'amour en fait dans ce que vous nous apportez, que vraiment ça nous fait un bien fou. Donc et bon, tu es aussi pour quelque chose, hein, Maurice, parce que voilà, au Burkina il n'y a pas non plus que des belles personnes comme partout. Mais toi tu fais vraiment partie des personnes incroyables qui sont, voilà, comme je disais au départ, tout le temps dans le don, dans la générosité, comment je peux aider, comment ça c'est incroyable. Oui, ben on essaie de faire au mieux, hein, et j'allais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Souvent, on ne pense pas à la chance que nous avons. Voilà. Souvent, on se dit, on est toujours dans une logique de plainte. On se plaint, on se plaint. Mais on ne se pose pas la question, quelle chance j'ai? Qu'est-ce que moi j'ai sur lequel je peux m'appuyer et rebondir pour aller plus de l'avant? On est toujours en train de réclamer, mais il faut voyager. J'ai eu la chance de voyager un peu partout, en Asie, en Europe, en Afrique, dans plusieurs pays. Et je finis par me dire, attention, avant de commencer à te plaindre, interroge ça sur ce que tu as déjà. Si, en analysant profondément ce que nous avons, ça nous permet de voir que nous avons de la chance parfois. Et que nous ne savons pas utiliser cette chance-là. Voilà. Parce que dans l'accompagnement des personnes en situation difficile, je suis souvent arrivé à des étapes où je me dis, mais moi je commence à me plaindre, mais quand j'écoute les problèmes des autres, je dis, ben, écoute, toi tu as de la chance. Parce que mon problème, je dirais, c'est le Benjamin des problèmes des autres. Il est tout petit devant le problème des autres. Et là, je ne peux que ravaler ce que j'ai comme problème en disant, attention, toi tu te plains d'une petite monticule de problèmes et l'autre c'est toute une montagne. Alors, il faut être Ça, vraiment. c'est une belle clé aussi, le fait en effet de savoir remercier pour ce qu'on a, de remercier la vie, de remercier l'univers, peu importe, de remercier Dieu, peu importe, mais ou c'est la croyance qu'on a, mais remercier pour toutes les belles choses en fait qui nous sont apportées. Et ça, c'est vrai que souvent on oublie d'avoir de la Oui, gratitude en fait. et là il faut avoir toujours moi je dis, regardons en face de nous tous ceux qui ont pu faire un pas, deux pas, trois pas, et essayons de suivre aussi. Et je ne veux pas dire qu'il faut oublier ce que nous souhaitons personnellement, mais il y a toujours des devanciers. Dans la construction des projets, par exemple, il y a des gens qui ont franchi certaines étapes. C'est des modèles, c'est des exemples, ils doivent nous inspirer. Maintenant, il ne faut pas aller dans l'effet contraire, dire non, moi je vais empêcher l'autre de voler. Et en allant dans ce sens, j'ai toujours imaginé en disant, lorsque vous vous mettez à terre, que vous attrapez les deux pieds de quelqu'un pour l'avancer et l'empêcher d'avancer, il n'avancera pas, mais vous serez toujours derrière lui. Parce que quelque part, vous n'avez pas vous ne lui donnez pas cette possibilité de faire un pas et de vous entraîner également. Alors, regardons aussi dans la construction de nos projets et tous ceux qui ont été des devanciers, qui si sont des exemples, qui nous ont ouvert certaines voies, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter sur lesquels on puisse s'appuyer pour faire un pas de plus. Et c'est là, je pense que c'est très important lorsqu'on est dans une dynamique d'entrepreneuriat, de construire quelque chose. Oui, et chacun d'entre nous, on peut faire sa part pour améliorer le monde. Nous, on fait à notre modeste niveau, donc sur chaque nuitée, par exemple, de notre hôtel dans le Pays Basque, sur chaque nuitée, on reverse 1 € donc à l'orphelinat, ça aide. C'est loin d'être suffisant, mais chacun peut faire une petite chose. Et si vous avez des idées comme ça pour aider, alors on peut aider en France, mais donc on peut aider en effet en Afrique. Il y a tellement de besoins là-bas. Et ce qui fait plaisir quand on aide au Burkina, à Maurice, et quand on t'aide, c'est que on sait que chaque euro en fait qu'on apporte va être totalement utilisé. C'est ça. 1 euro, c'est important, C'est c'est ça. vraiment important pour vous. Je sais pas, une boîte de lait, tu pourrais nous expliquer un Oui, petit peu pour l'orphelinat, par comme exemple? je disais, l'orphelinat, on prend des enfants de 1 jour de naissance à 3 ans, selon les cas. Et là, c'est des enfants nourrissons qu'il faut nourrir au lait et alimenter au lait.
Et là, nous avons, je ne sais pas combien ça fait à peu près ici, 2800 francs CFA en euros. Mais en moyenne, c'est le coût de la boîte Ça fait à peu près, de lait si je ne me trompe qui pas, ça est va faire 3-4 euros, voilà, quoi, c'est donc ça. et là, c'est une vie qu'on construit en posant cet acte-là. Voilà. L'enfant qui arrive un jour de naissance, deux jours de naissance, pour X raisons, soit c'est un enfant abandonné, comme on dit, ou soit c'est un enfant qui a perdu sa maman à la naissance. Et c'est des êtres très fragiles qu'il faut accompagner. Et nous pensons que c'est un acte noble que nous posons dans ce sens-là. Et je le dis toujours, j'ai l'impression, après 25 ans de travail social, que c'est maintenant que je fais quelque chose. Parce que quand tu reçois un enfant qui arrive tout bébé, et puis quelques mois après, quelques années après, 1 an, 2 ans, tu le vois en train de mouvoir dans la cour de la structure, tu te dis, ah oui, ça a servi quelque chose. Et Dieu merci, nous avons tout cet accompagnement des uns des autres qui vont dans le sens aussi d'aider à ce que cette structure continue à vivre. Et je pense que chacun de nous a ce sentiment très fort, humainement parlant, de pouvoir accompagner et soutenir autrui, quelle que soit son origine, sa nationalité. Et moi, je pense que le monde en a assez. Le monde a assez pour partager. Voilà. Et c'est juste une question de volonté, c'est juste une question d'engagement. Et je vous disais tantôt que j'ai eu la chance de voyager. L'Afrique, ce n'est pas seulement le continent où on a des difficultés. Il y a de la joie de vivre en Afrique, malgré les conditions modestes des uns et des autres. Il y a de la joie de vivre. Mais j'ai aussi vu des endroits, j'ai été au Bangladesh, j'ai visité des villages. Et là, j'ai réalisé aussi qu'il y a des difficultés, il y a la misère un peu partout. Et juste, c'est une question d'être à côté de l'autre pour l'accompagner et les aider à faire le pas et avancer. Et c'est ce qui fera la beauté du monde, je pense. C'est une belle conclusion, Maurice. Mais merci. Merci pour tout ce que tu apportes, pour tout ce que tu apportes aux autres. Si vous souhaitez découvrir l'Afrique, surtout n'hésitez pas à rentrer en contact avec Maurice. Si vous souhaitez aider également là-bas, donc n'hésitez pas non plus à rentrer en contact avec Maurice. Voilà, le moindre petit don, je dirais, peut vraiment aider et sauver des vies. Et Maurice, on peut te suivre sur Facebook, Oui, sur sur c'est Facebook, Maurice au Sommet, sommet, oui. Somei. Voilà, on mettra le lien d'ailleurs dans la sous la vidéo. Donc écoute, je sais que tu as encore d'autres projets, parce que tu es en train de développer d'autres projets à côté de l'orphelinat, tu es en train d'agrandir l'orphelinat, enfin il y a plein de belles choses qui sont en train d'émerger encore. Et vraiment merci pour tout ce que tu fais pour les autres et puis pour tout ce que tu m'as apporté également, parce que voilà, cet esprit de générosité, de don, de don de soi, ben moi ça me nourrit. Et vraiment, je suis super content et super touché par tout ce que tu fais, Maurice. C'est à moi de te remercier aussi parce que, à part partie de ton expérience, à partir aussi de ton vécu, des difficultés que tu as traversées, je sais de quoi je parle aussi. Après ces 20 années de connaissances, je sais que il a fallu que tu tiennes debout pour pouvoir aider aujourd'hui. Je pense que tu es beaucoup suivi aujourd'hui à travers le monde et tu construis les êtres. Et ça, c'est important. Merci. Merci Maurice. On vous souhaite le meilleur Merci. et à très bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir.